Salut à tous et bienvenue sur Maison Happy Zone, moi c'est Happy Zone. Aujourd'hui nous allons voir comment placer des fenêtres sur Ashika. Donc nous avons fait ce plan, nous sommes arrivés à ce niveau sur la précédente vidéo, comment placer des portes sur Ashika. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à t'abonner, liker, commenter pour voir l'ancienne vidéo ou bien partir la voir tout simplement. Lol. Et nous allons voir comment placer des portes personnalisées, des fenêtres personnalisées autant pour moi. Vous voyez qu'ici des portes, nous avons placé des portes qui sont très belles. Voyez un peu. Donc nous allons voir comment placer les portes personnalisées et connaître la nomenclature des portes, des chambrages, tout et tout. Alors nous allons partir directement en vue 2D, sélectionner l'outil fenêtre. Maintenant pour des fenêtres de salon, nous allons prendre des fenêtres comme ça. Donc nous allons d'abord prendre ceci pour celle de la chambre. Nous allons mettre 1.5, la hauteur d'allège 1, la hauteur 1.5. Donc nous allons prendre. Nous allons transformer ceci en porte très stylée. Comment faire cela? Nous allons venir tout simplement sur Options fenêtres basiques. Cliquez ici. Cliquez. Oui, on clique. Oui, on clique. Oui, on clique. Maintenant, ici, on va changer. On va mettre l'âge cadre uniforme. Venir transformer ici en 0.1. Oui. Si on repart sur la visualisation, on a ceci. Maintenant, on continue. Châssis, oui, ceci, on va le garder intact. Oui, intact. Ici, remplacer option vieux modèle. Nous allons mettre cela en noir. On continue avec notre vidéo. On continue chambrage. Donc, nous allons ajouter un chambrage. Nous allons ajouter un chambrage. On a 8. Nous allons mettre ceci à 0.1 pour avoir un chambrage. Vous allez voir ce que c'est. Oui, chambrage intérieur, c'est bon. Chambrage extérieur, nous allons aussi le mettre. Nous allons mettre cela à 0.1. Dans l'épaisseur du chambrage. Si on continue. Appui, nous allons mettre un appui pour ajouter de la beauté. Oui, c'est bon. Tablette, pas besoin. On continue. Voler, pas besoin. Lindeau, pas besoin. Donc, ici, je vous montre les éléments qui vont permettre de rendre votre maison très belle. Donc, vous allez comparer vos anciens plans dessinés sur Archicad avec les nouveaux. Vous allez voir une très grande différence. Donc, là, j'ai mis l'option texture. Ça va nous permettre de changer toutes les textures. Maintenant, pour l'appui, nous allons garder un appui en. Nous allons prendre un appui en couleur. On va chercher une couleur très basique. Le beige. On va prendre le beige. La beige, autant pour moi. Le chambrage. Nous allons prendre un chambrage en couleur blanc brillant. Ici, comme je l'ai dit, on met toujours cela en noir. Ici, nous allons mettre un blanc brillant. Si on continue. Oui. Ici, nous allons mettre cela en noir. On continue avec notre vidéo. Là, on met ça le noir. 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 Ici, on ne mettra pas tout, on mettra du noir, bien évidemment. Noir. Donc, ce sont des petits détails très importants à faire pour avoir une très belle couleur de fenêtre. En tout cas, plus réaliste. Désolé. Le noir. Ici, nous allons faire le même travail, mettre la couleur noire. Donc, si on revient, vous voyez comment ça a changé. C'est devenu très beau. Si on tourne, vous voyez. Donc, on part maintenant placer notre fenêtre. On la place quelque part ici. Ici. Donc, nous allons placer les fenêtres sur tout notre arc de cercle. Nous allons, bon, pas sur tout, sur quelques parties. Pour rendre cela plus beau. Ici. Et là. Maintenant, nous allons placer ici pour notre douche. Donc, nous allons seulement changer les dimensions. Maintenant, les fenêtres de douche,
On va mettre une largeur de 0,7, une hauteur idéale aussi de 0,7 et une hauteur d'allège de 1,4. Oui. Nous allons venir la placer quelque part ici. Maintenant, si on part en vue 3D, on aura quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez un peu de quoi, désolé, vous voyez un peu de quoi ça résulte. Donc, vous voyez, là, notre plan est plus beau. Vous voyez? Donc, quand vous allez dessiner un plan sur HiCad, faites ces petits réglages. Vous voyez que le chambrage est bien sorti. Donc, on fait un contour plus détaillé de notre construction. On peut voir qu'on y est arrivé à notre bon état. C'est tout simple, c'est tout beau. Donc, si tu es arrivé jusqu'à cette partie, je t'invite à t'abonner, liker et surtout commenter. Vous voyez qu'avec nous, vous pouvez mieux apprendre. Donc, à la prochaine étape, nous allons voir comment créer des portes vides sur HiCad. Alors, merci d'avoir vu la vidéo et à la prochaine.